Salut à tous et bienvenue pour l'une des plus grandes affiches du football français. L'échange entre le Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain déchaîne toujours les passions. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est évidemment une date que l'on marque d'une pierre blanche dès qu'elle est annoncée, car c'est toujours, toujours la promesse d'un match spectaculaire. On connaît la rivalité entre ces deux clubs, ces deux villes, ces deux régions. Pour tous les fans, c'est bien plus qu'un match de foot. C'est une question de fierté. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Se monter la tête non plus. Ça reste un match de foot. Et il faut garder son sang-froid pour que ça reste un plaisir. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Alors, Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autant le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bonne lecture de la trajectoire. Peut-être une occasion pour Messi. Oui, il y avait bien faute. Du gardien. Mbappé. Il est passé. Elle continue sa course. Voilà, un coup franc intéressant. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. On dirait qu'il s'est blessé sur ce contact. Au risque de passer pour un vieux cynique, je dirais qu'il s'est joué plutôt intelligemment. Après tout, quand un joueur avec sa qualité de dribble arrive à armer sa frappe, ça fait souvent but. Alors, voyons ce qu'il va nous faire sur ce coup franc. Et encore un coup de pied arrêté. Avec Danilo Pereira, la passe dans la profondeur. C'est dégagé loin. On nous annonçait la pluie, la voici. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Messi. Il a sans doute un peu trop temporisé, c'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. En retrait vers son gardien. Qui est le premier sur ce ballon? Attention là. Il tire! Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main, bien joué. Ça passera sur le côté. L'Olympique de Marseille qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige la passer direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin.
Ce sera le premier corner du match. Et ce corner à la rémoise. Danilo Pereira. Marco Verratti qui cherche à construire. Il joue en profondeur. La longue passe dans le dos. Le bon dribble. Oh, c'est chaud. Ça va sur l'aile. La passe est précise. Mbappé. Un ballon intéressant. Quelle fait du bien cette interception. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long. Wunder. Oh, quel bel arrêt. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Marco Verratti. Kimpembe. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Danilo Pereira. Hakimi. À lui de bien jouer le coup maintenant. Ça, c'est une interception parfaite. Il n'a pas hésité à attaquer. Voilà une bonne occasion de contre. Et le tableau d'affichage est toujours figé. 0-0. Ça pourrait passer sur l'aile droite. Il accélère et il déborde. Bonne interception, il y avait danger. Le gardien loin devant. Ils sont vraiment bien en place. Encore une passe comme ça. On en restera là pour cette première période. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. That was the first half. Let's hope the boys can turn it up for the second. Allez, on est reparti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Ça peut être dangereux. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça! Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Substitution in progress. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réellement lancé leur campagne. Tchaletatsar. Camara. Il s'échappe le long de la ligne. Il est en bonne position pour centrer. C'est centré dans le... Ça peut faire mal. Ah, il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Kimpembe. Neymar. Il cherche la profondeur. Faut tirer là. Et ça rentre. Bravo, bien joué. L'égalisation de l'Olympique de Marseille.
Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. After 56 minutes is number 17. Je reprends sur un score de parité. C'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la foulée. Chapeau. C'est joué dans la profondeur. Dans la profondeur. Marquinhos. C'est quasiment un pressing tout terrain là. C'est exactement ça. C'est ce que font souvent les équipes qui aiment avoir le ballon. Le but est bien sûr de le récupérer aussi vite que possible en faisant un pressing très haut. Messi! Oui! Mbappé! Kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. L'Olympique de Marseille qui utilise les forces de son effectif. Substitution. Substitution for Paris Saint-Germain. Ils sont devant number maintenant 27. Au tableau d'affichage. Number 3. Coming on the field. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Number 18. Gerson. Il tente de la jouer dans l'espace. Number 4. Hakimi. Marquinhos. Marco Verratti. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il prend donc un carton jaune. L'Olympique de Marseille qui compte maintenant deux joueurs avertis. Marquinhos. Oh, il y a danger. Une petite faute là. C'est bien intercepté. Il a trébuché sur cette intervention. Guendouzi. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Danilo Pereira. Il se fait pardonner. Marquinhos. Il n'a pas joué le ballon là. Et évidemment, c'est carton jaune. Substitutions taking place. L'Olympique de Marseille qui tente de belles choses là. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exactement, oui. Pereira.
exactement ce que le gardien allait faire. Et le doublé. Changement s'enchaîne, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Ils ont fait le break, et c'est reparti. Charlotte Hatsa. L'Olympique de Marseille s'engage dans une possession un peu stérile. Camara. Dans la profondeur. Grosse occasion. Le ballon franchit la ligne, corner. Le corner est joué court. Trop long, le ballon est sorti. C'est joué long, c'est dangereux. Il allonge, pourquoi pas. Kolašinac. Et il perd l'équilibre. Di Maria. Marquinhos. Le tacle. C'est joué long. Attention. Kambou. À côté. Sergio Ramos qui cherche la profondeur. Ça joue long. Le bon ballon. Bonne intervention. En retrait pour repartir proprement. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Et dégagement du gardien. L'interception au bon moment. Il était bien présent. La profondeur, bien vu. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Voilà, le message est passé pour tous leurs adversaires. Ils semblent forts en ce début de saison. En tout cas, ils débutent par une belle victoire. Alors, que retenir de cette rencontre ? C'est une très bonne entrée en matière. Et dans une compétition comme celle-là, c'est toujours très bien de réussir son premier match. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt. Salut. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.